Salut tout le monde, je vous retrouve sur Age of Mythology Retold. Aujourd'hui, je vais faire la première mission de la campagne La Présence d'Or qui s'appelle Le Voyage de Brock. Brock et Senna voyagent à travers le royaume de Falstag jusqu'au Minnen. On voyait toujours en difficulté moyenne. Alors non, on n'en a pas besoin. On connaît déjà les strats avec les Scandinaves. Il y a de nombreuses années, un fier nain nommé Brock était le plus grand forgeron de Midgard. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Jusqu'au jour où un étrange vieil homme est venu lui rendre visite. Salut Chris Blanche, ça va et toi? Personne ne nie que vous êtes un bon forgeron, ami Brock. Mais est-ce qu'on se connaît ou pas du tout? Favorise votre jeune frère maintenant. Eitri, c'est juste un chiot. Bien sûr, Eitri ne vous arrive pas à la cheville, mais même maintenant, il se rend à la forge sous les montagnes. Il compte fabriquer une puissante bête métallique pour le dieu Freyr. Un sanglier métallique? C'était mon idée. Eitri n'aurait jamais pu imaginer une telle chose par lui-même. Nous étions censés construire cela ensemble. Remballez les affaires du camp. Nous allons à la forge. Ok. Alors on va regarder tout de suite l'objectif. Donc cette mission-là, il faudra faire attention. Le col de montagne menant à l'entrée du tunnel est gardé par le géant du givre Falstag, qu'on croisera plus tard dans une autre campagne. Il garde des intrus à distance et menace avec des menaces des tempêtes. Toute personne coincée dans le col par une tempête est susceptible d'être gelée. Il est possible de naviguer dans le col entre les tempêtes. Falstag doit se reposer après avoir gelé des gens. Il existe d'autres passages cachés pour atteindre les cavernes si le col devient trop dangereux. Ok. J'arrête un peu, transportons les préférés. Nous devons en amener au moins 4 dans les grottes. Moi inclus, bien sûr. Samzikt. Alors, on va regarder un petit peu. Hveretar. Sarjeuvil. Helbuin. Sat. On va faire quelques nains pour commencer. Sat. Donc hein, je rappelle qu'on recroise aussi la charrette à bœufs avec les géorgiens de Age of Empires 2, le concept vient de là. Alors c'est quoi l'anneau de Nibelung? Ça va donner un revenu d'or. On a quelques héros du Ragnarok, on a la Valkyrie et le géant du givre. On va augmenter les points de vie des nains. La note du Dungbelung là va nous être très utile. Ça va donner un petit filet d'or supplémentaire. Tout cela, ce qui est chiant, c'est que c'est des gens du givre amélioré. J'aime bien le petit, petit détail qui montre le guide. Excellent travail. Laissez-nous tranquillement les troupes. Alors, Torf permet au adversaire d'infliger des dégâts et de faire de la fleur plus rapidement. Allez, on va le faire. Parfait. On va voir s'il n'y a pas d'autres reliques dans le coin ou d'autres colonies. Ah bah. On fait un nombre de reliques. De bouffe malheureusement. On n'a pas un marché à faire dans le coin. Non mais pas de soucis, hein. Et bienvenue à toi, hein. Si tu veux suivre les aventures de la chaîne pour plus tard, n'hésite pas à follow, comme ça tu seras au courant des dernières avancées. Alors. Ça
façon, je sais où aller pour cette mission. Je m'étais un petit peu entraîné pour me rappeler un peu. J'avais pas fini exprès, j'ai mes raisons. Je vais faire quelques maisons. On va remonter notre pop. Ça oh, mais ça remonte à quelques années, mon cher ami. Alors déjà, on va commencer par améliorer la forge. On va servir de la mécanique de la forge pour nous permettre de d'avoir des nains gratuits. Et ce qui est bien là, par rapport au jeu de base, les nains de la joie scandinave peuvent bâtir des maisons. C'est quand même toujours un petit bonus. Voilà. Donc on va préparer une petite charrette ici. Le deuxième villageois là, je vais le ramener ici. Oui. Ah bah t'as un bon souvenir, hein. Effectivement, ouais. J'étais un petit peu naïf à l'époque sur ça. Donc là, on a du sanglier, on a ce qu'il faut. Je vois qu'on a des murs là, donc on va surveiller ce qui se passe. Les vaches vont engraisser tranquille. Faut quand même fortifier ma base, on sait jamais, je me méfie. Sat. Yao. Yegvil. Samfect. Sat. Samfect. Yao. Sat. Encore une vache. Sat. Yegvil. Ça nous en fait 4. J'ai laissé mon cavalier ici. Skiao. Samfect. J'ai acheté un peu de nourriture avec ce qu'on a. Avec tout l'or qu'on se fait, là, on est bien. Ok, on va explorer, on continue. Oh, le pauvre nain. Elle est plus bonne. Oh, il s'est cassé. Nous devons en trouver un autre. Til orkeslag. Skipan. Bah écoute, bah bienvenue à toi, n'hésite pas, Eh, on pourrait faire une autre colonie ici. Yao. Vas-y, hein. Yao. Alors je vais voir s'il n'y a pas un truc là ou... Shot. Non, il y a... Ah, s'il y a une vache là. Deux vaches même, on va les récupérer. Yao. Alors, on va commencer à développer nos techs. Là-bas, j'ai vu de l'or, donc on va aller envoyer les nains après là-bas. Je perds deux Valkyries pour me renforcer ici. Et puis ça me fera des soigneuses, et après je commencerai à préparer ce que je veux faire. Ok, c'est bien. Là on est pas mal, on a 9 villageois qui font plus rien. On a encore un peu de chasse, là on va aller le chercher. Ok, par ici on a quoi? On a du bois. On va rajouter quelques bûcherons. Salut Momon, comment tu vas? On a plus d'or, on va aller tout de suite transporter nos mineurs là-bas. Voilà, nos villageois ils sont un petit peu au taquet avec ce qu'on a rajouté. Donc là je vais partir que sur des nains avec Thor, c'est ça le but. Oh attends. J'ai vu un port là, on va aller voir ce qu'il y a. Shot.
Gripan. Donc là, il y a des petits passifs aussi maintenant, j'ai remarqué sur le l'original, je me suis. Bon, bah, ça, c'est... Ah bah c'est bien, moi je m'y mets aussi, j'avoue. Donc on va soigner avec nos nouvelles Kiri, hein. Ah, bonne unité de combo, corps à corps aussi. Hein. Alors là on a pris un coup de bois, attention. On va faire un petit port vite fait ici. Je me demande si on peut pas récupérer des trucs vu que c'est neutre, on dirait. Donc on va renforcer un petit peu nos troupes et après on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'avoue que là ça fait un peu mieux. Là nos nains ils sont tranquilles. Ah oui, t'es immortel, il est très, très intéressant. Je vais faire un... Non, pas un navire de pêche. Un navire de transport. Il y a un truc à faire ici, en tout cas. Voilà, je commence à préparer des forts, des bastions du Migdol aussi. Il y a du sanglier à aller chasser là-bas. On essaie de récupérer le plus de vaches possible. Ok, d'accord. Et cette colonie va être très intéressante stratégiquement parlant. Skip. Hver er þar? Til. Hver. Alors on est pas mal déjà. Til. Mais on pourrait faire un troisième truc. Eh oh, mais il y a du poisson à ça, là, les mecs. Allez, hein. Et en plus, ce truc-là, les villageois, il sera bien à l'abri. Allez, ramenez-moi les bovins, là. Tu vas améliorer l'architecte et ensuite. Ok, bon, on est pas mal du tout. Et je vais faire deux ports pour me défendre. Pas de besoin. Ça, y est, something. Attends, il y a une autre relique, j'ai pas vu. C'est quoi? Les caravanes sont moins coûteuses et se déplacent plus vite. En vrai, pourquoi pas? Comme ça, on prépare le long terme. Là, par contre, j'ai plus avoir de nourriture, malheureusement. Les vaches, elles sont où là? Il y a un peu de chasse, effectivement. Alors, monsieur Kaiser, respectez les quotas de pêche. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, on peut pas aller à l'H4 dans cette mission. Ok. D'accord.
passage nous mènera à la grotte de la forge. Mais si nous allons par là, Falstaff le saura. Il enverra des tempêtes nous arrêter. Tilbo. De faire aussi quelques godilles en renfort. Yegbe, yao. Sat. Yao. Something. Exot. Ski. Sat. Yao. Atraus. Yao. Something. C'est notre travail. Là, le but, ça va être de faire les godis. Les scards ici seront pas utiles. J'ai commencé à préparer un groupe de béliers là. Suivant, ok. Mais on peut faire les techs d'armurerie et ça, ça va être important. Les vaches, on va bientôt les engraisser à fond. Il y a du poisson au nord, ouais. Je ne serais pas étonné vu qu'il y en a. Bon, on a déjà préparé 4 béliers pour l'assaut. Yao. Yao. Tilbúin. Samþykkt. Já, satt. Skipan. Já, ég vil. Hver já? Tilbú, samþykkt. Já. Já, ég vil. Samþykkt. Tilbú, satt. Já. On va faire ça. Sat. Yao. Et là, on va commencer la prochaine phase de la mission. Vous allez comprendre. Yao. C'est pas compliqué. Hein. Yao. Sat. Yao. Tilbúin. 1, 2, 3. Ah, il en manque toujours 6. Falstaff a volé mon bétail. Aide-moi à le retrouver. Et je te montrerai un chemin à travers les montagnes plus sûr que celui proposé par Falstaff. Something. Ok, là vous allez comprendre pourquoi ça, cette partie de la mission là va être cool. Elle est pas compliquée. Hein. Yao. Something. Skip. Yao. Shot. Faire ça. Something. Yao. Yeg vil. Sat. Something. Ok, on va rajouter 3 vaches au bétail. Tilbúin, ég vil. On va faire un autre forum aussi comme ça, hop. Ég vil, til orustu slag. Já, satt. Samþykkt. Já. Ça en fait 4. Satt. Samþykkt. Ekbun. Tu vas me dire que les deux autres, elles sont là. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Alors je regarde s'il n'y a pas un autre troll qui traîne, on sait jamais, hein. Ég vil. Bessie, Lulu Bell. There's something. Tilbúin. Ekbun. Shot. Ekbun. Shot.
Sik. Shot. Yo. Ok, donc là on va en avoir 3. Helbrun. Elmer. Claramel. Elsie. Somsik. Yo. Donc ces vaches là, il faut pas les bouffer, hein. Ekbun. Somsik. Ekbun. Somsik. Ekbun. Shot. Somsik. Ekbun. Là j'ai ramené les godis là. Enfin, tout mon bétail est en sécurité. Je te remercie. Emprunte ce passage. Tu te retrouveras près de la grotte de la Forge. Sois prudent. Helbrun. Yo. Ok. Et là, on va se faciliter beaucoup de choses avec ce passage. Yo. Skipan. Hveratar. Helbrun chat. Hveratar. Yo, vi himbersvit. Et là, on va préparer les 4 chariots pour la dernière partie de la mission. Til sat. Jeg vil sat. On se retrouve juste là. Samþykkt. Já. Jeg vil. Samþykkt. Já. Sat. Jeg vil. Já. Já. C'est sûr qu'il y a un forum là, oui, je me rappelle. Skip, yeg, yao, sa, yao, sa, yeg, vi, til, orus, sa, yeg, vi, yao, skip, skirta, yao, til, sa, sam, yao, sa, yeg, yao, yao, sa, yeg, sa, sam, yao, sa. Til, buen, til, yao. On envoie tout de suite là-bas les charrettes. Vous deux, vous avez bien bossé, félicitations, vous allez là. On se fera un passage de rapido. Yao, yao, til orus slag. Bon là on va casser un peu des nains là. Yao. Skip han. Samþykkt. La charrette arrive tranquillement mais sûrement ici, ça c'est cool. Skip han. Fyrir það. Yao. Skip sat. Hop, on les emmène là-bas. Yao, yao, yeg vil. Hver er þar? Sat. Samþykkt. Yao. Atraus. Yeg vil. Sat. Tilbúin. Yao, yeg vil. Skipan. Hver er þar? Tilbúin. Já, ég lúna tína. Skip, yeg vil. Tilbúin. Samþykkt. Skip, yeg vil. Ok. Ekbun. Hop, petite escorte, tranquille. Allez-y alors. Hop, première mission tranquille. Hein. Un petit peu de préparation et tout ça. Il y a peut-être moyen d'encore faire un peu plus rapide, mais on veut bien faire les choses. J'espère que cette première mission du présentateur vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et merci Chris Blanche.